Il est mort. Dans le camp. Regarde, monsieur Pestet. On rigolera encore pas cette année. Oh, tu crois? Colin, sauve de vieux Colin, on a fait des yeux avec un mot. Il y a des haricots. Ouais, fils, ouais, ouais. Dites donc, Costa, finis les vacances. Par ici, vous. Allons. Pardon, monsieur. René, René Tabarnou en toi que demain matin. Il a le cœur gros ce soir. Un mort, je dis un mort. La preuve. La preuve, le de la bon. Je suis nouveau surveillant. Le surveillant Huguet. Silence, par deux, et en haut du mur. Tabar, absent, dort cette nuit avec ses parents, rentrera avec les externes demain matin. Bonsoir, monsieur le surveillant général. Qui est là? Costa, monsieur. Bruel, monsieur. Colin, monsieur. Et Dupont. Je n'ai appelé personne, aucun de vous trois. Vous y êtes restés-y. Et jusqu'à 11 heures. Monsieur, j'ai mal au ventre. Monsieur, il peut y aller. Monsieur, il a mal au ventre. Monsieur, j'ai mal au ventre. Ouh, monsieur, j'ai mal au ventre. Monsieur, j'ai mal au ventre. Monsieur, il peut y aller, il a mal au ventre. Monsieur, j'ai mal au ventre. Ouh, il a mal au ventre. Monsieur, il peut y aller, il a mal au ventre. Monsieur, j'ai mal au ventre. Il peut y aller, quoi, il a mal au ventre. Monsieur, j'ai mal au ventre. Mais vas-y, t'occupe-toi de cet imbécile-là. Cossa, Bruel et Colin, vous êtes là? Oui, monsieur. Allez vous coucher. Merci, 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 monsieur. Attention, attention.
Taisez-vous, quoi, vous allez faire mourir. Taisez-vous. Taisez-vous, non. Ruelle, Cossac, Colin, sirop de conduite, consigné dimanche. Oh, alors, ça ne change pas. Chut. Oh, si. Amis, voilà le plan. Le complot est prêt. L'air se fait rare. On est collé chaque dimanche. Il faut se sauver. Là, le grenier et les munitions. Roger, t'as découvert la cachette au vide. C'est un cafard. Faut lui casser la gueule. Et Tabar, pourquoi qu'il royeur? 22, le pion. Oh, Juliette, c'est un brave petit. Attention! D'accord.
À vos places. Allons vite, voyons, à vos places, quoi. Allez, mon chocolat! Il a fouillé! Oh, il a fouillé! Attends, donne-moi ton pot de colle! Donne-moi ton pot de colle! Tiens! Mon pot de colle! Mon pot de colle! Mon pot de colle! Mon pot de colle! Là, doucement. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Passe-moi le papier qui est dans le tiroir. Et l'encre. La plume dans la main. Garde bec de bas, comme il est beau. Donnez-moi ça. À vos places. Cossa et Colin, apportez-moi donc vos livres d'algèbre. Ou plutôt non. Zéro de conduite, consigné dimanche. Monsieur le principal arrive. Monsieur le principal est là. Monsieur le principal. En route, messieurs. Monsieur le surveillant général, voulez-vous venir dans mon bureau?
Monsieur Sant approche. C'est notre petite réjouissance, n'est-ce pas? Mais surtout, pas d'histoire, pas d'aventure. À propos, Bruel, Cosa Colin, n'est-ce pas? Monsieur le surveillant Huguet, que vous croyez si convenable, ce que vous m'en dites m'inquiète, monsieur. Selon vous, surveillant général, Tabar et Bruel se conduiraient comme des petits-enfants, des gamins, pas sérieux du tout. Et envisagez-vous toute notre responsabilité au point de vue moral? Chez Huguet entre seul. Et la promenade. C'est intolérable. Ça y est, encore ensemble. Cette amitié devient excessive. Monsieur le surveillant général, vous aviez raison. Il faut les surveiller. Entrez. Asseyez-vous, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Mon petit, je suis un peu ton père. À ton âge, il est des choses, n'est-ce pas, qui... Enfin, Bruel est plus âgé que toi. Ta nature, ta sensibilité, la sienne, n'est-ce pas, de névropathe, de psychopathe. Passage! Viens, viens près de moi, viens donc. Cosa et Colin, au parloir. Eh ben dites donc, vous voulez que je vous conseille? T'as vu cette révérence de dimanche? Moi, je reste ici avec maman, à la cuisine. Toi, tu vas ouvrir poule.
Tabar, viens là, viens. Colin, Colin, donne le chocolat à Tabar. Qu'est-ce que tu fais là? Chut, maman. Laisse-nous tranquille. Mais non, c'est pas un traître. C'est un copain. Cosa a tort de l'écarter du complot. Je te le dis, puisque je te le dis. D'abord, il a une cachette. Tu verras. Il nous aidera. Il n'aime pas les pions. Je te jure qu'il n'aime pas les pions. Monsieur le surveillant général. Oui, des haricots. Toujours des haricots. Je ne peux tout de même pas donner tout le temps des haricots à ces enfants-là. Oh, maman, encore les haricots. Oh, non, alors. Allons, silence. Eh bien. C'est spirituel. Mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Thank you.
Eh bien, mon petit garçon, tu ne prends pas de notes ce matin? Ah, à la bonne heure. C'est très bien, ça, c'est très... Ah, mais c'est moi. Ah, mon petit, je ne te dis que ça. C'est pas moi, je vous dis merde. Mon petit, le conseil de discipline, n'est-ce pas, a consenti, sous la forte pression de ton professeur trop bienveillant, vous êtes magnanime, monsieur Viau, a consenti, dis-je, par considération pour ta famille, par bonté pour toi, et à l'occasion de notre chère fête qui sera célébrée demain, à te pardonner. Mais, n'est-ce pas, du reste, tu es venu spontanément, si j'ose dire, me prier d'accepter tes excuses, qui ne sauraient avoir de valeur que formulées en public et devant tous tes camarades. Nous attendons. Eh bien, dis-nous ce que tu veux nous dire. Dis-nous ce que tu as envie de dire, allons. Monsieur le professeur, je vous dis merde. Thank you.
scandale. Les enfants se sont enfermés dans le grenier. C'est étonnant. On n'a jamais vu ça. Monsieur le préfet, quelle fête! Ah, seigneur, quelle fête! Monsieur le préfet vient de s'asseoir. Il est assis. Allons-y. C'est très grave.